Bonjour à tous, re-bienvenue sur FE5. On a envie de changer de perspective parce que dans le chapitre du désert, Leif et ses potes semblaient se la couler douce, mais vous allez voir qu'il n'en est rien en réalité. Donc, chapitre 20, l'enfant de la lumière. Si long mois avait passé. Souffrant des attaques féroces de l'armée de Fridge guidée par Barat, l'armée de libération était graduellement repoussée dans un coin du château. Il semblait que ce n'était qu'une question de temps avant que Leonster ne tombe à nouveau. Donc évidemment, comme d'habitude, j'ai déjà préparé tous mes objets, mes troupes. Alors je vais vous expliquer un peu. Ici, on se fait attaquer par tout cela. Il y a lui qui a le dernier parchemin du jeu. Il faudra que je le lui vole d'une manière ou d'une autre. Et est-ce que lui... Ouais, lui, il a une Master Lance. Autant vous dire que ça va pas être du gâteau de s'approcher, mais il y a moyen. Et puis, donc nous, on va apparaître dans le château. On va devoir défendre. Là, il y a un truc qui est complètement con, c'est qu'ils ont tous des killing gauges et des potions. Donc, ils sont censés être en prison, mais on les a laissés avec leurs armes. Bon, pourquoi pas. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Là, il faudrait qu'on aille visiter ces maisons. Il y a des trucs intéressants, je crois. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ben oui, c'est un chapitre où on doit... on doit résister genre 10 tours, je crois. Ou alors tuer Barat, et dans ce cas-là, on met fin direct au scénario. Nous allons y aller. Chapitre 20, l'enfant de la lumière. Lord Barat, comment cela se passe-t-il? Ah, je vous attendais, Reinhardt. Avez-vous apporté les renforts que je vous ai demandé? Les forces de réserve d'Alster viennent à votre aide. Ils devraient arriver bientôt. Bien. Maintenant, nous aurons assez de puissance. Nous avons déjà capturé la plus grande partie du château. Cette petite section et tout ce qu'il en reste. Ça ne durera pas longtemps. J'espère bien. Que voulez-vous dire? Y a-t-il un problème? Cela fait déjà 6 mois depuis que nous avons commencé à attaquer Leonster. Laura Bloom n'est pas heureux de voir que nous n'avons pas encore détruit ce château. Je sais que ce n'est pas à moi de dire cela, mais je vous suggère de vous dépêcher. Je comprends. Le moral du roi empire à chaque jour. Perdre le prince Ishtar au château de Melgen doit avoir été difficile. Où en est l'armée d'Isaac? Ils ont déjà atteint la péninsule thracienne. La 12e légion de Cohen se défend contre eux avec les sœurs Vampa. Si jamais c'est Boomba ou je sais plus quoi. Bref, il y avait un village qui nous avait parlé et puis elles sont sorties dans FE4. Et l'armée de mages de Lady Tini. Cependant, même Lady Lisa est tombée face à l'armée d'Isaac. Ce sera un combat difficile. Que fait le roi? Il guide les dernières troupes à Alster. Si l'armée d'Isaac atteignait Alster, les enverra probablement pour vous. Et si Leonster n'est pas encore tombé... Ah, je le sais. Je dois retourner à Connaught, je sais plus comment est le vrai nom. Je vous souhaite bonne chance, Lord Barat.
Quelqu'un ! Oui, monseigneur. Dites aux troupes de charger. Misons tout sur l'offense à présent. La retraite n'est pas une option. Annihilez l'ennemi avec toute votre force. Oui, monseigneur. L'attaque de grande envergure de l'ennemi a commencé, Lord Leif. Pouvons-nous résister, Auguste ? Tous ceux qui peuvent bouger sont stationnés en défense. Nous n'aurons plus nulle part où nous enfuir si cet endroit tombe. Je suis surpris que nous ayons résisté aussi longtemps contre les légions de l'Empire. Cela fait 6 mois déjà. C'est peut-être la fin. Vous ne devez pas parler comme ça, Lord Leif. Vous trahiriez tous ceux qui se sont battus avec leur vie pour défendre le château si vous abandonniez. L'armée de Lord Selif progresse avec facilité parce que vous gardez la force principale de l'Empire occupé. Dans mon souvenir, tu foutais rien, mais bon. Nous ne devons abandonner jusqu'à ce que le groupe de Lord... Nous devons abandonner jusqu'à l'arrivée du groupe de Lord Selif. Je suis désolé, Auguste, je sais. J'aimerais rencontrer Lord Selif, moi aussi. Mais je ne peux supporter le fait de voir mes soldats mourir les uns après les autres. Si vous le pensez vraiment, alors nous devons nous battre jusqu'au dernier homme, pour nous assurer que leur mort ne soit pas en vain. Et voilà. Et là, il y a la meilleure du musique du jeu qui se lance. Alors, toi tu vas aller débloquer ça. Toi tu vas... C'est un peu l'ironie, c'est qu'on est enfermé dans notre propre château. Mais bon, on s'en sortira. Ah, c'est cool, j'ai des tireurs dans les murs, du coup, ça va être faisable de... avant qu'ils attaquent. Bon, ils peuvent rester là. Je fais une safe state parce que c'est loin d'être du gâteau ce chapitre. C'est cool, ils ont des clés, c'est eux qui vont pouvoir m'ouvrir. Je pense qu'on va pouvoir laisser Lara aller visiter les choses là et même faire l'arène pour une fois, peut-être. Quoique je sais pas si c'est très très safe, on verra. Tina, j'ai envie que tu vois un truc. Non, je voulais pas voir ça. Ah, c'est pas encore maintenant, mais à un moment il y aura des mages qui vont arriver et ils ont un unlock staff. Donc ça vaudra la peine de le voler avec Tina directement.
Bref, les armures font de la merde. Merci d'avoir ouvert. Alors, on peut enfin commencer à attaquer. J'aimerais que tu développes ton vent, parce que si tu pouvais utiliser Blizzard avant la fin du jeu, ce serait cool. Ah, et j'ai oublié de faire la save state. Save. Toi, t'as pas d'armes à distance, bien sûr. Enfin, t'en aurais... Non, t'en aurais... Même un autre dragon, t'en aurais pas. Toi aussi, tu peux tirer. Voilà. Très bonne archère, Tania. Je voulais prouver maintenant. Ah, ouvre sa fille déjà. Voilà. Et voilà, encore plus... Voilà, c'est eux. Vous voyez ces évêques là? Je crois qu'ils ont des unlock stuff. Ah mais attendez, il faut que je fasse monter Orsine parce qu'il pourrait voler ses épées justement. Au moins une. Ouah non mais on a assez de killing gauge à la fin. Peut-être des potions, on verra. Ouh, violence. Quelle violence. Ah voilà. C'est ce que j'avais dit. Vu qu'ils vont nous venir dessus, je préfère que Homer reste un peu en arrière avec Orsine. Ça, ils pourront attraper quelques items. 4 en tout. Merde, j'ai oublié de lui voler le Unlock Staff, tant pis. Je crois qu'on en trouve d'autres encore. Est-ce que t'as toujours la Armor Slayer? Oui, c'est bien. J'ai oublié de faire la Save State. Leif, tu peux enfin regagner des niveaux tranquilles. Vas-y, fais le dernier coup de feu. Voilà, et gagne un rang en feu, s'il te plaît. Même si ce sera que le rang B. Juste pour le symbolisme. Non. Alors, Misha ou Fergus? Misha. Fergus. Non, Misha parce que j'ai oublié que je devais... Ah mais elle aussi elle doit prendre un truc. Ça. Allez, Killing Edge ou bien... Non, ça. Allez, ça.
active. Merci. Ah, j'ai oublié de le faire remonter à cheval. Carrion. Ah, j'ai oublié de te remettre des lances. Bah, c'est pas grave, tu feras tout à l'épée. Ça va aussi, hein. Et ça, c'est bon. Là, tu peux prendre la... Pas la Killing Edge, le fer létal. Enfin, oui, ce sont des synonymes interlinguistiques. Je sais pas si ça se dit. Mais voilà. Il a aussi un Fortify, ça pourrait valoir la peine. Tu peux aller là. Asvel, tu continues avec le vent. Est-ce qu'il y a des gens qui tirent des trucs? Ouh, un restore! Ouh, un autre restore! Putain, c'est une mine d'or ce chapitre en fait. On va essayer de le voler avec Carrion. On a un peu de place dans les inventaires? Oui, ok. En plus, on pourra envoyer un moment quelqu'un au dépôt pour... Donc ils ont pas de magie longue portée, ça tombe bien, donc Safi, tu peux venir. Arrêtez de rejouer. Alors, ils passent tous à l'attaque. Oh putain, j'ai oublié de faire un changement de classe. Je crois qu'il est pas trop tard parce que c'est... En fait, c'est Sarah et elle a encore rien eu à faire. Elle aura pas encore à faire tout de suite, donc... tant mieux. Voilà. Safi, tu vas te faire un plaisir d'aller le soigner, n'est-ce pas? Esquive. Non! Oh non! Non, pas déjà un mort, s'il vous plaît. Bon, t'esquives celui-là, et tu le tues pas. 33, t'esquives. Merci, ouais, bon, évidemment, tu tues. Ouais, vas-y, casse ça, c'est bien, merci. Esquive. Voilà. 8. HP, putain, il augmente plus que des trucs qui lui servent à rien. Enfin, qu'il a déjà maxé. Oh putain, ça casse ici aussi, je me souvenais plus ça. Merci de m'ouvrir la porte, mais ça sert plus à rien parce que vous avez cassé le mur. Non, par contre, tu vas pas voler le contenu. Sache. Ouh, non, ça tu voleras pas. Je vais venir vite te capturer, genre avec. Avec Fergus. Non! Non, mais sérieux! Tu fais quoi dans ta vie? Attendez, save state. Je vais pas réaliser. Bon, brave. Cette fois, tu rates pas, hein. N'est-ce pas? J'espère que j'ai bien mis capturer. Mais! C'est bon. C'était chaud. Donc, tu viens avec moi. Tu peux reculer. Et Misha, ou bien Leif, ou bien Olwen, je sais pas encore. Pourra prendre ta place, mais pour l'heure, tu vas te faire soigner.
Je t'ai mis des... Oui, je t'ai mis une lance. Alors toi, tu peux faire ça. Hop. Catch. Voilà. Comme ça, toi, tu peux venir là. Ah, t'avais un ring à prendre. Pan, t'as de la place. Non. Dans ce cas... Ah, peut-être toi. Dans ce cas, tu viens là. Ah, ici, tu peux pas raid. Allez, mets-toi là. Avec ton Hellfire. Bon, on va le laisser tranquille. Pour l'instant. Critique. Toi d'abord. Avec le wind. Allez, win niveau A, s'il vous plaît. Non. Parfait. Alors, Orsine, il y a du travail pour toi, là, dis donc. Mais en fait, j'aimerais plutôt que tu ailles aider là-haut. Prendre le hammer. Merci. Tout y va au lightning ou bien à autre chose? 18 moins 2, 16, 32, ça suffirait. Non. Vas-y, merci. Ah, j'ai oublié de faire toujours de faire changer de classe à Sarah, ça m'énerve. Ah, elle a pas bougé, c'est bon. Tu prends l'épée de Marita parce que tu t'appelles Marita et toi tu changes de classe. Il était temps. Excusez-moi. Magie, skill, vitesse, défense, build. Et j'ose espérer que... Oui, c'est bien ça, elle a gagné les bâtons. Et puis, elle peut utiliser le vent aussi maintenant, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on va aussi le voler, lui? Oui, on va le voler. On va le détrousser comme un vulgaire... Il pèse combien? 6? Ah, dommage. Putain, j'ai la voix qui va pas assez haut. 22-3, 62%. Ah, c'est mieux, ça.
esquive et tue. Enfin, capture. C'était le plus important, ça. Tu peux lui donner ça quand même. Oh, le Thunder, on en a assez. Hein. Et là, c'est la merde parce qu'il y a 1 milliard de mages qui ont, je sais pas quelle magie, j'ai pas regardé. Faites-lui pas un critique, s'il vous plaît. Touchez-le pas, tout court en fait. Esquive. Tue pas. Merde, il va tuer. Oh merde. Ils vont venir le tuer. Esquive, il faut que l'armure esquive un coup. Ah bah non, si lui il esquive, ça va aussi. Ah bah voilà, c'est bon, on est sauvé. Squadala, nous sommes sauvés. Merci d'ouvrir la porte pour nous. Ouais, par contre, lui-même avec un otage, il vous nique. Je suis désolé de vous le dire. Et je pense qu'à la fin de ce tour, on pourra conclure cet épisode. Marita, zéro problème. Niveau 10. Esquive. Ah non, mais c'est toi qui commence. J'aimerais bien de l'XP pour Sarah aussi, un peu, Marita, hein, s'il te plaît. Ok. Ça sert à quoi d'enclencher toutes tes skills si c'est pour faire un critique juste après? Ok, les mages n'osent pas attaquer, je sais pas pourquoi. Tant mieux pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont comme magie? Je suppose de la foudre. Dans ce cas, j'en ai bien assez. Ouais. Alors, ah oui, Thunder, on s'en fout, voilà. Free. Ok. Est-ce qu'il y avait encore quelque chose à voler? Un heal? Tout a de la place. Mais c'est... Attendez. Ah non, je crois... Attends. Ouh, je me fais du souci là tout à coup. Mais merde! Ah non, c'est lui qui a le Nightproof. Ouf. Ok, c'est bon. Alors toi, je te laisse prendre ton truc que tu devais prendre depuis 10 ans. Voilà. Tu peux rester là. Non! Je voulais soigner. Alors, Dean, tu raides. Tu trades. Le restore, on prend sans souci. Asvel, tu peux aller ici. Wind. Voilà. Olwen,
Tu vas essayer une énième fois de passer au rang B du feu. Rang B? Non. Bon bah tu rejoues et tu tues lui. Esquive. Non. C'est pas grave. C'était du bonus de toute façon. Alors, est-ce que toi t'as de la place pour... Oui, donc tu fais... non, tu vas devant elle. Free. Ça fait longtemps que j'ai plus fait une safe state, il me semble que je l'ai pas fait au début du tour, donc je vais faire slot 2, voilà. Avec la King Sword. Merci. C'est comme si tu voulais te faire pardonner dès le moment où tu fais le critique. Ah merde, il fallait arrêter l'épisode. Qu'est-ce qu'il a lui? Great Lance. Non, ça pèse 10 fois trop lourd pour Pan. Critique, esquive et recritique. Parfait. Juste pour le guac. Ou bien ça vaudrait plus la peine que tu voles une clé de porte peut-être, mais le problème c'est que t'as pas de place. Donc finalement tu tues, voilà. 13-6. Voilà. Est-ce que c'est toi qui avais aussi un anneau? Je me souviens plus. Non. Alors, je propose que Marita défonce l'armure. Level 11. La foudre. Ah non, j'aurais dû faire le vent. Parce que le feu va le... Ouh, la critique qui lui fait rien, quoi. Le feu va le vent qui vend... Le vent qui vint la foudre. Qui va le feu. Qui bat le feu. Voilà. Il suffirait juste de gagner un peu de PV en fait. C'est la seule chose qui te manque. T'es vraiment très très faible de ce côté-là. Toi, tu prends. Ah non, je suis con. Tu free. Comme ça, toi, tu viens. Voilà, comme ça on capture une autre Killing Edge, une autre potion. Toi t'as de la place. Et toi t'en as encore une, ça va bien. Thunder. Thunder. T'es mort. Niveau 16. Toi aussi, il faudra changer de classe.
Bon, on fait ce tour et ensuite on arrête. Leif, ne te fais pas avoir bêtement. Non. Ah ouais, mais bon. D'accord, tu résistes très bien. Je commence à me demander si la King Sword n'est pas par défaut une Armor Slayer aussi. Très bizarre, ces mages qui n'attaquent pas. Non, ils savent pas quoi faire, ils se promènent. Du coup, on va se faire plaisir et capturer celui qu'elle restaure, voilà. Voilà, toi tu peux... Toi tu peux tuer le mage. Ah, j'ai oublié, il faut arrêter. Allez, hop. Ok, merci de m'avoir suivi, à la prochaine.